poisson. Bienvenue sur cette vidéo. Merci de venir vérifier ce que vous avez besoin d'aller vérifier dans votre actualité en ce moment. Alors évidemment, il n'y a pas de vérité absolue. On est sur une lecture intuitive et donc ce qui va émerger, c'est ce que vous allez y voir, sentir et la manière dont vous allez raisonner avec ce que je vous dis pour le connecter à votre réalité et essayer d'avoir une vision complémentaire de ce que vous vivez. C'est dans le but de vous aider à mieux, je dirais, mieux vous épouser la vie, voilà, épouser la vie et épouser les événements qui parfois nous chahutent un petit peu et génèrent des doutes, des incertitudes. Donc, on va essayer de regarder ce que ce message-là s'invite, hein, invite chez vous à transformer peut-être ou à accepter. 6 d'épée. Un départ. Je désire quitter quelque chose, je n'en peux plus. Ça ne me va plus, ça ne me correspond plus. C'est en lien avec des idées. Je ne suis plus raccord avec ces valeurs. Il y a quelque chose qui ne me convient plus. Je suis fatiguée de cet espace-là. Vous voyez, elle est un petit peu affalée comme ça. Et j'ai besoin de quitter cet univers, d'aller vers une autre, je dirais, un autre domaine, un autre champ, une autre énergie, un autre besoin. Quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant pour moi, pour vous hein, en l'occurrence. Et vous êtes un peu guidé. C'est comme, là, vous voyez, toujours le 6 d'épée m'évoque, c'est qu'est-ce qui peut m'aider à partir, à lâcher, à quitter les amarres, à me détacher de quelque chose hein, et partir le cœur léger. Parce que là, je ne pars pas le cœur léger. Hein, donc, qu'est-ce qui peut vous aider pour que ce soit plus léger pour vous? Elle n'y va pas d'elle-même. Elle se fait aider. Hein, c'est quelqu'un, c'est un passeur qui l'aide dans ce cheminement-là. Essayez de trouver le moyen d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un qui va venir confirmer que ce désir que vous avez de partir, ou la raison hein, pour laquelle vous êtes déjà parti, est justifié. C'est aidant. Hein, il y a une notion d'aide ici. Hein, faites-vous aider. Vous allez regarder là. Ben oui, parce que vous visez autre chose, c'est votre bonheur. Regardez là, elle est bien assise, bien campée, elle est en train d'observer tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, tout ce qui s'est passé qui la rend heureuse, la coupe, c'est l'émotion. Je suis dans des émotions gratifiantes, qui sont bénéfiques, qui me rendent épanouie. Donc vous êtes en quête d'épanouissement, vous êtes en quête de cet état d'épanouissement et peut-être que vous y êtes et qu'il y a juste quelque chose à lâcher pour y être encore plus. Plus vraiment de manière authentique et congruente. Hein. Ça pourrait être ça. Soit vous tendez vers ça, soit vous y êtes, mais il y a quelque chose à lâcher. On va les regarder. Oui, il y a quelque chose à lâcher. Pour moi, c'est plus ça. On est dans le chariot. Donc, le 7, arcane majeure, importante, qui est en lien avec... maintenant, on y va, quoi. C'est bon. Hein. Elle est sur sa moto. Bon, classiquement, c'est le chariot, mais c'est deux chevaux. Hein, qui tire la carriole et on y va. Allez, on se donne un coup de fouet. On reste plus sur j'ai besoin, je tortille, j'y vais, je me sens seule, c'est pas évident, j'ai besoin d'aide. Ben, je vais chercher cette aide. C'est ça que je vise. Je mets les moyens. Et je mets les moyens, donc c'est je trouve l'énergie pour y aller. Donc peut-être qu'il y a besoin de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, à cette vision. Qui est extrêmement bénéfique, où c'est le cœur qui parle, c'est les émotions, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la satisfaction, c'est l'accomplissement. C'est ça votre motivation. Donc, il faut y aller. Et ce sentiment de motivation va vous mettre en marche. Qu'est-ce qui vous motive vraiment pour bouger, pour avancer, pour faire les choses? Et puis, attention, parce que là, on a yin-yang, dualité. Quels sont ces contraires que j'ai besoin d'observer, je dirais presque de focusser. Vous voyez, elle n'est quand même pas partie sur les chapeaux de roue. Elle va y aller, mais elle a juste besoin de quelque chose en plus avant d'y aller vraiment. Et on va aller peut-être regarder cette carte conseil. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui a besoin de... Quelle est cette énergie qui a besoin d'être posée avant d'y aller, quoi. Allez. La contemplation. J'adore ces cartes.
J'observe la beauté du monde, simplement je prends le temps. Et ben c'est génial parce que le chariot, il va vite. Ben avant de pouvoir y aller, j'ai besoin de prendre du temps, de contempler. Vous voyez, il est un peu en contemplation ici. J'ai besoin de contempler, contempler le monde, observer, observer ce qui se passe en moi, autour de moi, à l'extérieur de moi, observer. Clarifier quelque chose parce que ralentir, ça nous permet d'éclairer tout ce qui est là, qui ne se verrait pas si je fonce bille en tête sans réfléchir. Donc vous êtes invité à la contemplation pour vous, voilà, pour laisser monter cette motivation et que l'élan, à un moment donné, ça y est, on y va, on y va. Mais écoutez, tout est dit. J'espère que ça vous éclaire. Je serais bien curieuse de savoir si ça fait écho, si ça résonne dans un domaine particulier de votre vie, un petit élément particulier en ce moment qui fait que ça vous parle, tout simplement. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, aussi court soit-il, juste pour me dire, clin d'œil, Béatrice, ça m'a parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, amis poissons.